Eh bien salut tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2, on est au pompe sur Farm 18, c'est la map du pompe. À chaque fois que tu tombes sur cette map là, je suis content parce que je peux jouer avec mon petit pompe qui fait plaisir, même s'il est pas ouf sur ce jeu là, voilà. Il peut faire des petits trucs, comme vous pouvez le voir sur ce début de game là, on va sur le point, on le protège comme on peut. Puis ça marche bien, on enchaîne l'équipe tranquillement et là si je dis pas de conneries, hop, une petite collate. Ah c'est beau, ça c'est tellement rare avec ce complet. Donc vous voyez là le score là, enfin game, j'ai pas mis la game en entier parce qu'elle était assez longue. C'est une game pas dégueulasse, ça jouait les points, il y avait du mouvement, mais bon. Un peu longue quand même la game, donc je préférais pas vous mettre tout. Puis là vous voyez la deuxième game, toujours farm 18, toujours aux pompes. Cette map là c'est forcément aux pompes, et puis c'est tout. Et puis c'est une game là par contre elle va aller très vite, hein. Vous allez voir qu'on va faire la même chose, on va aller sur le point aux pompes, on va les dégommer et puis les mecs ils vont se barrer et puis... Oh là là c'est beau. Oh c'est beau le pompe type. Oh là là c'est magnifique. Oh le pompe, ça fait tellement plaisir quand le pompe fait des one-shots bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des bons accessoires avec le pompe parce que là, si je dis pas de conneries, c'est le Bryson 890. J'ai tout débloqué comme accessoire avec. Mais bon. Il y a tellement d'accessoires sur ce jeu-là que je sais jamais trop quoi utiliser. Il y a aussi maintenant tu peux tuner ton accessoire, donc je sais pas comment le personnaliser, enfin modifier un peu les stats de ton accessoire lui-même. Donc de ce que j'ai compris, ça marche. C'est pas très efficace, mais pour certains armes, ça peut être pas mal, comme le pompe, pourquoi pas. Donc à voir. Donc dites-moi si vous avez des petits bons accessoires en pompe qu'on peut utiliser. Parce que le pompe c'est la vie, moi je veux faire des bons one shot parce que des fois ça fait des hit markers, c'est du mal. Nous on veut pas faire des hit markers parce que là pour le moment je joue que sur cette map là au pompe et ça fait chier, hein. Nous on veut explorer d'autres environnements avec le pompe et dégommer des snipers qui font chier sur ce jeu, hein. Et puis voilà, toujours cette guerre entre les pompeux et les snipers, hein. C'est comme d'habitude, enfin bref, donc voilà pour le pompe. Enfin on va parler encore un petit pompe après, bon. Avant toute chose, hein, quand même, là ça fait deux minutes que je parle, mais bon, on est quand même, c'est la première vidéo de 2023, donc bonne année, hein, à tous. Donc j'espère que tout s'est bien passé durant les fêtes de fin d'année, vous avez eu tous vos bons cadeaux, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu comme beaux cadeaux, hein, des beaux cadeaux, si ça s'est bien passé, le réveillon du 31, et puis voilà, bonne année à tous, bonne santé, plein de bonnes choses, pas de problèmes, et puis voilà quoi, en espérant que ce soit une bonne année gaming, hein. Est-ce qu'on aura enfin des bons jeux multijoueurs cette année? Putain, parce que là, c'est quand même honteux, hein. L'année dernière, c'était quand même une année de grosse merde au niveau des jeux multijoueurs, je parle. Après, il y avait des bons petits jeux solo, mais c'est pas trop mon truc, les jeux solo. Mais voilà, multijoueur, Call of, Battlefield, puis voilà. Puis même les autres jeux, même 2K, je sais pas, FIFA aussi, j'en sais rien. Enfin bref, je joue pas FIFA, mais voilà, quoi. J'ai l'impression que tous les jeux multi maintenant, ils puent du cul. Ils font le minimum en effort. Les développeurs, ils se font pas chier, les jeux sont pas terminés, contenu pas ouf, enfin bref, ils sont pas chier, donc voilà, faut espérer des bons jeux. Et moi personnellement, ce que j'espère en jeu, c'est un bon FPS Star Wars, parce que ça fait longtemps là, Battlefront 2, ça fait longtemps qu'il est sorti. Bon, il me faut un bon nouveau jeu Star Wars. Il me faut un jeu Star Wars. Bon, je sais qu'il y a Fallen Order qui va sortir dans pas longtemps, l'épisode 2. Enfin, l'opus numéro 2, Survivor, Jedi Survivor, qui va s'appeler celui-là. J'avais joué au premier. Hein. Là, forcément, je vais jouer au deuxième. Mais bon, voilà. Moi, il me faut quand même un bon FPS Star Wars. Putain, ça fait chier. Hein. Il y a juste des bons jeux tout court aussi, parce que voilà. Hein. C'est pas évident en ce moment, puis voilà, faut espérer aussi que les développeurs fassent tout ça aussi, peut-être pourquoi pas du bon boulot, enfin, sur Modern Warfare 2, le jeu a 2 ans de cycle, hein, mais bon, là, c'est les vacances, hein. Donc en plus, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué au jeu, hein, si je dis pas de conneries, donc j'ai pas joué depuis avant Noël, hein. Donc en 3 semaines, il s'est rien passé sur le jeu, hein. De ce que j'ai eu, de toute façon, c'est un peu logique, hein. Entre le 25 et 31, c'est les vacances, donc les développeurs, ils travaillent pas, mais bon, ça fait quand même un mois, j'ai l'impression qu'ils travaillent pas, et il faudra encore, comme j'avais dit dans une dernière vidéo, faudra attendre fin janvier, février, avec le début de la saison 2, là, pour voir des choses arriver sur le jeu. Mais bon, voilà, faut espérer des bonnes choses, qu'ils fassent des bons moves sur le jeu, parce que là, hein, ça passe pas, il n'y a pas, hein, voilà, c'est pas ouf, hein, ça pourrait être beaucoup mieux, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous voyez qu'on enchaîne dans le pompe, là, franchement, ça fait plaisir, le pompe, là. Il fait des bons trucs, c'est pas tout le temps comme ça, mais bon, là, il a fait des bonnes choses sur cette game-là, puis on a pu enchaîner quand même des gros ports. Et comme d'habitude, hein, la base, jouer l'objectif, les gens, hein, parce qu'il y a... Ça n'existe plus des joueurs d'objectifs sur ce jeu, donc je pense que vous l'avez vu avec ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu, hein. C'est une game où... Peut-être une grosse game.
Elle avait même pas 100 vues, alors que les autres vidéos sur Call of que j'ai fait dernièrement, elle était entre 200 et 300 vues, donc n'allez la voir si vous l'avez loupé. Hein. Très très belle game de points stratégiques, avec beaucoup d'objectifs de ma part et de mon coéquipier, hein, parce que, enfin de mon copain coéquipier, parce qu'après il y avait d'autres coéquipiers, mais c'est pas des copains, hein. C'était pas des copains, ils étaient pas très enclins à aller sur l'objectif. Hein. Allez voir la game, et puis j'ai dû me faire encore des actions d'anthologie pour remporter la game, hein, surtout à la fin où on a dû faire combo. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, il a dû faire, c'est passé des gros, des magnifiques choses à la fin, j'ai dû faire des trucs de fou à la fin pour. Qu'on ait une chance de gagner la game, hein, parce que c'est compliqué, hein, les gens jouent vraiment plus du tout l'objectif. Hein. Je répète tous les ans, mais tous les ans c'est de pire en pire. Hein. Déjà que l'année dernière, c'était pas. On est peut-être à 5% de la communauté qui joue l'objectif, là on est à 1%. C'est bien 1%. C'est pas mal, c'est bien. Donc voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Des bonnes games où toi, enfin, que tu gagnes quand il y a d'objectifs. Enfin, je sais même plus ce que je raconte, mais voilà, une bonne game où tu joues l'objectif, c'est toujours très très beau. Parce que c'est tellement rare maintenant, les joueurs, et puis voilà. Donc voilà, de toute façon, les gens, ils jouent pas l'objectif, mais qu'est-ce qu'ils font sur la game? Parce qu'ils savent pas faire non plus de kills. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils jouent juste pour faire des camouflages, c'est ça maintenant? Tu joues à Call of juste pour débloquer des camouflages qui servent à rien? C'est ça en fait? Tu joues à Call of pour ça? Ça sert à rien? Putain, voilà, on est quoi? On est rendu à quoi sur Call of maintenant? C'est archi à faire des trucs qui servent à rien. Putain, c'est incroyable. Enfin bref. Donc voilà, donc là vous voyez que la game se passe très bien. On a fait quitter les gens en face, on continue à jouer objectif. Vous allez voir mon temps sur objectif, il est magnifique. Et puis après, je vous mettrai encore notre game, hein, sur Farm 18. Oh, au pompe, forcément c'est au pompe. Hein, j'ai dit, c'est la map sponsorisée par le pompe. Là j'étais avec mon coéquipier copain là. Et puis voilà, c'est. Comme j'ai dit, le pompe des fois il fait beaucoup de hitmarkers. Et donc des fois il faut jouer d'une certaine manière sur cette map là pour faire des one shot. C'est en fait la game que vous allez avoir après, c'est comment être toxique quand tu joues aux pompes. Hein, voilà, on va pas faire d'efforts. Vous voyez le bâtiment au milieu de la map là. Ah, ça va être notre bâtiment et puis c'est tout. Personne n'y rentre, personne n'y sort, vous ne rentrerez pas. Mais bon voilà, quand tu joues une heure de suite et que tu tombes que sur des campeurs qui bougent pas, donc à un moment donné c'est. C'est un bon retour de choses en fait. Vous allez voir la game, je vais pas vous spoiler, vous allez voir ce qu'on va raconter, ce qu'on va faire. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ma réaction de fin de game sur cette game là, puis du coup avec la autre game avec mon cookie Pierre. Et puis voilà, moi je vais aller jouer, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse, pouce bleu, abonnez, faire partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Au revoir! Le pompe c'est la vie et j'ai rien avec en plus. Ça qu'on veut, première game de la journée en plus. Mais c'est normal. Le matchmaking il a mon avantage sur la première game. Forcément! On fout. Il a démonté, je lui ai fait full objectif. Ça qu'on veut. Ça qu'on veut. Pourquoi ça s'est descendu ça? Je parle à personne, à part Écoute. Casse-toi, c'est moi qui vous rejette. Bon, au je vais là parce que. Regarde ça, ils se font tous laminer. Ah hein. Moi je vais. Les gens sont pas déjà moi les pré-shots, faut les contourner, faut contourner les pré-shots parce qu'ils vont tous au même endroit et du coup je. Moi je m'en fous, je bouge pas mon bâtiment. Pareil, je garde notre porte moi. Je me venge de tout ça. Allez. Ça ne rentrera pas copain. Oui. Viens, ça rentre pas, on va les couilles. On est pas plus le faire, c'est que les coéquipiers sont tous là aussi, c'est ça qui est ouf. Allez. Putain, faut pas un pack, bâtard. Ah, il me faut des strikes, moi. Putain, j'ai le côté. Mais non, mais le bâtard. Putain, mais les Semtex. De toute façon, ça me tue pas au fait que j'ai un drone de bruit. Mec, mon pompe, il a un recul de dingue. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme accessoire, mais ça pue la merde. Allez! Allez! Mais putain, mais je. C'est quoi ce bordel de merde? Je vais être marqueur à 2 mètres! J'étais en train de faire le fier en plus. Toi, t'es mort, faut. Allez, mange, t'es mort. Non, de toute façon, je suis naze. Pourquoi je spawn là, moi? Là, c'est spawn, c'était n'importe quoi. J'ai spawné directement. En plein milieu, fais gaffe, y'a des mecs à ta droite là. Deux fois dans la fuite, t'as raison, jeu. Attends que je rentre dans le bâtiment, je vais vous faire. Allez. Je vais les maudire, moi je le dis.
Ils vont m'insulter à la fin du jeu. Nique les spawns. C'est bon, je suis dans le bâtiment. Je suis safe. Wesh. Mais attends. Putain, mais moi je joue l'ice. Je mets des hitmarkers, mec, c'est honteux. Tu rentreras pas, frérot. You should not pass. J'aime bien. Ça arrive, ça arrive. Attends, c'est pas un tour. T'es en train de faire tour. Putain, laisse les moi un peu. Ah non, ouais, il rentre pas, mon bat les couilles. Laisse-moi m'amuser. Mais non, mais je fais deux hitmarkers, je voulais les chercher un peu parce qu'ils veulent pas bouger, ils ont compris comment on joue. Ouais, j'ai été trop bon. Ah, il m'attend des fonds de map, le mec. Toi, t'es mort fort. Ils ont compris comment on joue aussi, ils bougent pas. Il y en a juste avant. J'ai loupé, j'ai tiré à côté. Casse les couilles! Mais mon pompe, il a trop de recul! Je comprends pas. Tu es au jugé. Ah oui, mais je savais qu'au jugé, mais c'est quoi ça? Ça. De quoi, bon? Sa game là, sur YouTube, imagine. Mais pourquoi j'ai une fumigène, moi? Vas-y! Ah, le pompe il pue la mort, mec. Je push et je fais hitmarker quand même. Là, je fais 3 hitmarkers, bon, je suis loin, hein, mais au bout d'un moment, faut tuer quoi. Et là, je fais one shot. Eh, j'ai pas compris. Tu fais des one shot des fois et des fois, tu fais des putains de hitmarkers collés au mec. Ça n'a pas de sens. Putain, je suis sorti pour encanarder un, il y en a d'autres qui arrivent. Mais comment ça? Mais par contre là, rien. Attends, tu joues plus au bombe? Oui. Eh, franchement, c'est les games sur Farm 18. Celui qui reçoit un message d'insulte, il a gagné. Par contre, dans le brouillard, il casse les couilles, là. Je vois plus personne, là. Ils sont de mon côté, là. Mais bon. C'est mort. Mais non, j'ai tiré à côté. La vie de ma mère, j'ai tiré à côté. Mais... J'ai tué la clé, bon. Putain, j'ai mis double hit marqueur au pompe, mec. Putain, j'ai un drone, je peux pas le mettre. Je vois plus personne, non. Je suis dans ton coin. Ça arrive. Non, t'es sérieux, comment il a sol, mec? Mais vas-y là, bon, là. Non, mais je me suis pris une balle, on est d'accord là. Par contre, le pompe il est nul à longue distance en vrai. Enfin, ah ouais, il pue du cul, hein. Tiens, j'ai mon hélico aussi, moi. Bah, on en profite qu'ils ont les hélicos parce qu'ils vont prendre la confiance, ils vont venir. Sauf que ça va pas se passer comme ça, mais si, finalement, c'est d'un côté, putain, c'est au moment où tu te barres, Momo. Il faut un drone, là. J'ai mon hélico, hop. Ah, mon avion de chasse plutôt.
Coéquipier, t'es prendre la médaille, sauf qu'il faut, faut revenir en arrière quand tu prends la médaille, le copain. Faut pas. Oh, le mec il tire à travers les. Les mecs ils ont des spots de campeurs en face parce qu'ils tirent à travers des murs que je sais même pas qu'on peut. Qu'on pouvait. Putain, mais. Mais putain, mais il prend pas ma balle. Le gars, déjà, je me prends une balle dans le mur. Putain, mange la cartouche en cul. Putain, j'avais pas vu. Il m'a collé. J'ai foutu hit marqueur. Hein. Je sais pas si tu l'avais touché, toi, mais moi, j'ai foutu hit marqueur. Hein, alors qu'il est quasiment collé à moi. Ouais, triple kill, bah oui, mec. Merde. Bon, il est là. Je vois rien avec la fumée. Et moi, c'est ouf ce que je fais. Dès qu'il y a une petite médaille à la porte, je me courbe pour sortir et je me rentre à l'intérieur vite fait pour. Je prends juste la grenade et la médaille, je me rebarre. Mec, il doit me péter un câble en face, mais je m'en bats les couilles, nique leur race. Ça, c'est pour toutes les games depuis une heure qu'on fait là. Vengeance. Moi aussi, je prends la plaque et je reviens. Non, non. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais aussi j'étais one. Il était où le mec qui t'a tué? Il était loin? Au milieu, au milieu. Putain, il y en avait un deuxième derrière. Putain, c'est un gremlin le machin. Tu l'as tué? Bien joué. Ouais, il y en a un autre qui arrive. Et j'ai. Le mec, il a un avantage de coup sur moi parce que j'ai tiré avant. C'est faux. L'objectif de fin de game, c'est de se faire insulter. Bah, le truc, c'est qu'on les entend pas vu qu'on est en partie. Hein. Ah ouais, j'avoue. Mais non, on aura un message, t'inquiète. Celui qui se fait insulter, il a gagné la partie. Celui qui reçoit un message. La game, elle dira même pas à son. À son. Attends, je mets tout, je tout le salon. J'ai acquis la poche sur tout le salon. Bon, ils peuvent pas rager là. 31 médailles. Hein. C'est moi. Il rage pas, je suis deck. Non, ça rage pas. 32-10, lol. Le mec avec notre équipe 22 kills, 2 confirmations, il se fout pas de la gueule du monde lui.